Bonsoir, vous m'entendez? Ah, bah enfin. Bon, je suis un peu en retard, mais on va y arriver. Donc, chers humains, arriver à l'Orient, parce qu'il y a, tout un système derrière. En fait, ce soja, il est cultivé pour la grande majorité au Brésil, donc il y a des forêts primaires qui sont détruites à grands coups de pelleteuse. Vous pouvez voir beaucoup d'images circulant sur Internet par rapport à ça. Donc ces forêts primaires sont ravagées, on cultive du soja pendant 5 ans. Ensuite, la terre n'est plus assez fertile, elle est complètement pourrie par la monoculture. Et donc on installe des habitations pour des agriculteurs ou pour des habitants. Et on continue à grignoter la forêt primaire et ainsi de suite. Tout ça pourquoi? Tout ça pour importer 67 000 tonnes de soja, mais ça c'est seulement sur un cargo, pour alimenter un système agricole qui ne tient pas la route. Donc ce soja traverse l'Atlantique pour nourrir les animaux qui se trouvent en Bretagne, en France. Certains de ces animaux sont ensuite abattus en Allemagne ou au Danemark ou je ne sais où pour ensuite revenir ici et être consommés localement, tout ça à grand coût de subvention. Je pense qu'il faudrait qu'on remette en cause totalement tout ce système, qu'on mette à plat la politique agricole commune au niveau de l'Union européenne et qu'on engage une planification écologique de l'agriculture. Et je pense qu'il faut vraiment une volonté politique pour ça. Sur tes protéines alimentation humaine, je vais vous donner quelques chiffres. Quand on produit du maïs pour l'alimentation animale, bien sûr, on dépense en moyenne 20 calories pour en produire
2. Personnellement, j'ai commencé à faire de la lentille verte il y a 3 ans et j'ai calculé, grosso modo, je dépense entre 3 et 4 calories et j'en produis 16 à 17. Voilà. Et je vais directement en alimentation humaine. Il y a juste un triage et après, ça va directement à la casserole. Ça, c'est une plante formidable qu'on peut produire en Bretagne. Il faut savoir aussi qu'au niveau des protéines humaines, alimentation humaine, on en importe, ce qui est incroyable, on en importe 80% de l'étranger, tout confondu. Les pois chiches, les févrois, les compagnies. Voilà. Je vais vous donner aussi un autre exemple. J'ai bien vu qu'avec les conventionnels, parce que je les connais bien aussi quand même, ils ont du mal, ils ont pris des habitudes, ils sont conseillés, ils ont du mal à passer à un autre mode de culture. Il faut dire aussi que dans toutes les fermes, il faut savoir que pour faire vivre une ferme, pour en vivre, on a toujours la tête dans le guidon. Toujours, toujours, toujours. Et vous savez, vous ne comptez pas vos heures. Hein. Il y a quand même un sacré paradoxe. On nourrit le monde et à côté de ça, on est surchargé de travail. Et on a plus le temps. On est archi débordé dans ce milieu. Donc, ils ont du mal à changer leur méthode. Et il faut savoir que j'ai un mal de chien à leur dire juste, mais quand vous faites du triticale, pourquoi vous ne l'associez pas avec la févrole? La févrole leur amène de la protéine et c'est toujours ça de main en importation soja. J'ai vu hier un couple d'Argentine. Ils m'ont raconté qu'au niveau du soja, ils font comme ici à Lorient. Et il y a des familles qui viennent auprès de la mairie se plaindre des épandages de pesticides. Mais alors là-bas, c'est en avion. C'est une autre gamme. C'est autre chose que chez nous. Et ils m'ont raconté aussi que les enfants sont dans les grandes parcelles avec des petits drapeaux pour guider les avions. Et la plupart des enfants, ils meurent après. Et on dit rien. Et il y a une grande ville comme Cordoba, 40% d'enfants ont des cancers là-bas. Enfin, de la population, je ne sais pas. Non, 4% des enfants. Nous avait dit Sophia Gatica l'année dernière au RIR qui avait été organisé à Plumeur. Voilà. Je vis à Languidic. Vous m'entendez pas? Oui. Si. Je suis à la tête d'une association qui s'appelle Locataire et on est sur tous les fronts, sur les questions environnementales, sur la commune de Languidic. Languidic, c'est la grande commune agricole du pays de Lorient et cependant les agriculteurs qui travaillent en bio sont très minoritaires sur notre commune et cependant il faut bien se dire que c'est de l'ordre du possible que le changement, le virage est déjà en route. On voit de plus en plus donc des champs cultivés en association de céréales et de févroles. On voit moins de champs tout jaunards au sortir de l'hiver, comme on a vu auparavant. Et cependant, c'est très urgent. C'est très urgent de parler de cette catastrophe aux pesticides autour de soi, d'aller au-delà du cercle des gens qui sont déjà convaincus, de toucher le maximum de personnes, de signer cette pétition et faire entendre cette cause-là autour de nous. C'est urgent. Cet automne, il a été fait un comptage des poissons dans une petite rivière qui était intacte, qui n'a jamais été canalisée, qui n'a jamais été calibrée, qui était juste débarrassée de ces arbres qui juste quelques bûcherons sont passés, c'est tout ce qu'il y a eu de fait. Elle est loin de toute culture. Et cependant, il n'y a pas d'insectes, il n'y a pas d'insectes, il n'y a pas de poissons, il n'y a rien. Il y a 3-4 minuscules trucs qui ne grandiront pas parce qu'elles meurent de faim. Voilà. Donc c'est très urgent parce que ces produits sont très rémanents et ils vont rester longtemps. Donc ça va mettre, même si on arrête aujourd'hui, ça va mettre longtemps à se laver. C'est pour ça que c'est urgent, urgent, urgent. Nous sommes 23 faucheurs volontaires d'OGM de Bretagne à avoir fait faire des analyses d'urine sous contrôle d'huissier.
Et à notre grand étonnement, en fait, on était tous contaminés par le glyphosate. Alors que, même si on n'est pas des modèles de consommateurs, on consomme, on mange et on boit majoritairement bio. Alors, ça nous a quand même interpellés. Oui, tu m'interpelles. Faut pas que je le mette trop près, c'est ça. Donc, dans la foulée, on s'est dit, il faut pas que ça reste entre nous aussi. Et c'est pourquoi, ce que disait Patrick Michon tout à l'heure, on a créé un collectif régional qui va organiser des petits collectifs locaux dans différentes villes de Bretagne, notamment à Rennes, à Lorient, il y en aura à Quimper, je pense, et puis dans d'autres villes, pour organiser localement des analyses d'urine à toutes celles et ceux qui seraient intéressés pour mesurer leur taux. L'objectif, c'est de collecter ces données-là et à terme de porter plainte contre les trafiquants. Au moins les fabricants et les distributeurs de pesticides en général. Donc, à toutes celles et ceux qui sont intéressés, je vous invite à mettre vos noms et prénoms et adresses et coordonnées sur les feuilles qui sont à droite sur la table. Et puis, prochainement, dans les semaines à venir, nous allons organiser quelque chose de toute manière sur l'Orient. La dernière chose que je voulais dire, c'est que nous, les 23 qui avons du glyphosate dans les urines, on va porter plainte, on va déposer plainte, sans doute au tribunal de Saint-Brieuc, dans les semaines à venir. Alors c'est un moyen de pression comme un autre. Bon, je me suis converti en 97. Là, il n'y a pas photo. Moi, j'ai toujours dit que le premier sou qu'on gagne, c'est celui qu'on ne dépense pas. Aujourd'hui, certains s'endettent avec les pesticides. Aujourd'hui, on a beau jeu de dire que... Enfin, ils ont beau jeu de dire que leur bilan carbone est très bon avec le glyphosate. Le glyphosate, le bilan carbone, il ne s'arrête pas ni à la moissonneuse ni à l'ensileuse. Le bilan carbone, il s'arrête aux portes de l'hôpital, voire ces temps-ci, à la porte des cimetières. Et, bon, qu'est-ce qu'on pourrait raconter d'autre? Moi je dis, il n'y a pas photo, à quoi? Ça sert de produire autant, si c'est pour empoisonner la planète. Moi j'ai vécu avec des rendements assez, je ne veux pas dire modestes, et puis bon, le résultat économique, il n'y avait sûrement pas photo. Voilà, c'est... Tu ne regrettes pas? Je regrette une chose, c'est de ne pas avoir fait la conversion plus tôt. Coupure d'une petite phrase que je dis souvent, les pesticides, ça rend con, malade, amorphe ou agressif, mais heureusement, ça rend stérile. Tout à l'heure, des actions individuelles, collectives, politiques. En fait, nous avons tous notre part de colibri à faire. Certes, les politiques ont des mesures à prendre. Nous devons aussi bien les choisir. Ils répondent pas, mais nous devons aussi bien choisir nos politiques de façon à ce que l'agriculture soit meilleure demain. Ici, ce soir, c'est une action collective, mais nous avons aussi nos actions individuelles aussi à accomplir. Nous ne devons pas attendre des autres. Nous ne devons pas attendre que l'autre commence à faire pour que nous fassions, nous ensuite suivions. Ce soir, il y avait Nati qui était là. Nati, elle a fait un stand. Elle voulait créer une animation pour tout le monde, complètement bénévolement. Elle est très bienveillante. Elle a voulu simplement montrer un exemple de ce qu'on pouvait faire chez soi.
Elle n'a pas prétendu vouloir tout savoir tout faire. Elle a juste voulu donner un exemple pour vous inciter justement à changer vos habitudes. Parce qu'il n'y a pas le choix. Il va falloir changer nos habitudes. Et lutter contre les pesticides, c'est aussi choisir ce que l'on achète. Chaque fois qu'on achète, c'est un acte politique. Il n'y a pas à tantiller. Donc ce qu'on achète, ce que l'on consomme, des petites recettes comme Nati, on pourrait la remercier parce qu'elle est venue pour vous. Et on pourrait dire merci Nati. Merci Nati. Merci Nati. Bon, on va signer là. Donc vous avez entendu Nat parler des achats, et c'est vrai que revenir à l'autonomie, c'est de la défense, c'est de la santé. Donc ça c'est à redévelopper. Et ça s'apprend dès le jeune âge et à l'école. N'oubliez pas que dans les années 68, on a supprimé les cours de cuisine et d'autres cours de travail manuel. Et bien sûr, quand on sait moins faire des choses, après on est dépendant. Et quand on est dépendant, on a une santé bien plus faible, c'est grave. Et c'est la pollution derrière. De même, une conscience aussi pour les générations futures, parce que là, tout le combat est là aussi. Hein, c'est ce qu'on laisse derrière nous. Quoi. Voilà. Une petite phrase, on est sur le point d'aller manger. Alors aujourd'hui, je vous dis pas bon appétit, je vous dis bonne chance.